Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir un peu l'évolution que je voulais apporter, tout ce qui est en termes d'autonomie, notamment quand je dois laisser un tracteur sur le site, et notamment le Newland avec le chargeur, donc pour tout ce qui est travaux de fumier et tout. Donc ça fait un peu que ça me grattait l'esprit. Du coup, quand j'allais au fumier, j'amenais mon tracteur au fumier, ensuite je revenais à pied. Ensuite, dans un second temps, je mettais le quad dans le godet arrière, hop, qui est là-bas derrière, donc qui tenait un peu par l'opération du Saint-Esprit. Et tout simplement, j'y réfléchis un peu et je vous présente maintenant l'invention un peu, même si ça casse pas des barres, de ça. Donc, faut savoir que je manquais déjà de poids avec le godet à vide derrière. Du coup, ça arrivait des fois quand je chargeais mon fumier. Le tracteur il lève de derrière, donc pas très sécuritaire. Alors j'ai adapté les masses du Newland à l'arrière sur un porte-masse John Deere, sachant que j'ai eu pas mal de questions, c'est les mêmes cotes au niveau du porte-masse. Après, les masses Newland sont pas exactement faites pareil. On a un 5 ou 10 mm de plus en bas, mais bon, elle se dégrave pas, ça tient, il n'y a pas de souci. Donc relevage levé à fond, en plus avec la chape et un bout de rotule, j'attelle une remorque qui fait 2,05 m de long, et comme vous pouvez le voir, hop et hop, du coup il y rentre à la perfection. Donc ça me permettra, quand je travaille au fumier, d'avoir et du poids à l'arrière et de pouvoir revenir rapidement avec le quad. Donc voilà, ça fait un peu que je voulais le faire. Du coup maintenant c'est en piste, c'est polyvalent, ça ira pas mal. Donc voilà, c'était un peu ce que je tenais à vous montrer. Donc voilà, dans la vidéo de dimanche, il y aura pas mal d'explications. Ça sera une vidéo par rapport aux épandages d'azote, donc explication, mais aussi explication prairie temporaire et prairie naturelle. Il y a quelques explications qui méritent d'être réfléchies et grattées par derrière. Donc voilà, moi je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais m'occuper des brebis qui mettent bas, parce que tout simplement on est en période d'agnelage, elles ont bien commencé. Et puis voilà, allez, je vous dis, restez chez vous et ciao, bye bye.